famille et amis policiers qui sont en prison. Nous-mêmes, parents, famille et amis policiers qui sont en prison dans tout le pays, saluons membres de la presse, parler, écrit, télévisé. Média en ligne et membres de la société civile qui souffrent dans toutes conditions et profitez-vous de un message. Alors profitez-vous un hommage à toute famille policière qui tombait dans un grand sacrifice pour ses vies et protéger vie et bien dans le pays d'Haïti. Après un pile de déception, humiliation et mauvais traitement que nous subissons, tout partout, je dis à nous décider de prendre courage avec deux bras pour arrêter l'État pays et demander justice. Justice pour les policiers qui sont en prison depuis passé 2, 3, 4 et même 14 l'année. Oui, justice. Justice pour les policiers qui passaient plus que 3 mois et même 1 l'année dans la garde à vie. Référence à l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui gagne plus que 5 l'année de CEO dans les juges et qui n'a jamais eu une ordonnance. Article 182. Qui gagne plus passé 10 l'année après le jugement. Qui gagne plus que 9 l'année dans le coup d'appel. Qui gagne plus que 9 l'année dans la cassation. Qui juge dans la cassation sans une instruction ni un premier jugement. Qui gagne copie papier libération dans la main et qui n'a jamais libéré. Qui condamné et n'a pas jamais paraître dans la grâce présidentielle laisse à fête. Malgré toute méchanceté et mauvaise façon dans la prison, les avocats ont fait un demande dans l'habeas corpus, ils n'ont pas jamais libéré. Alors que c'est la loi qui bail avocat droit pour le faire demande là, les liwe qui n'ont pas respecté de la loi bail pour le dossier à commencer. Référence à l'article 24, 24.1, 24.2, 24.3 et article 25, Constitution pays. Police sa yo qui t'a servi l'état pays, madame ak petit yo méprisé dans tout sens. Si moun yo pas ka jwenn bonne instruction ak l'éducation, à cause l'école ak kay priorité pas ka payer. Souffrance en pile pour nous, c'est comme si nous pas vivre. Parce que chaque jour c'est plus problème n'a enduré à cause absence police sa yo. Dans la même logique, ça, n'a demandé l'État pays. Oui, j'ai gardé tout, famille policier qui tombé ou dans nos services policier qui dans prison, yo bail pays ya. Dans constitution, dans nos constitution 1987 amendé ya, dans article 26 avec la loi 29 juillet 1969, article 7, nous demandons l'État pour reconsidérer kayo et ba nous souple si reste ma policier ça yo. Yo c'est haïtien tout. Yo pas ennemi la loi. Et même les institutions police n'ont pas besoin encore de réconforter avec eux. Nous même parents, familles et amis policiers qui sont en prison. Nous remercions bon Dieu pour la bénédiction qui permet nous là aujourd'hui. À la police qui frappe par toute vie maladie côté de nous remercions la presse parler, écrit, télévisé et médias en ligne pour le travail important qu'il a fait dans la communauté. Nous remercions l'État pour le cadeau spécial et le bras de nous. Nous sommes censés entre nous, parents policiers, plus que 150 policiers qui sont en prison, sans compter ça qui mourent dans la prison. Policiers ont yo, observé le pays. Ça a toujours arrivé, il y a quelques dérives qui sont faites. Mais nous avons demandé tant pris l'État pays. Tant pris. Gardez ça le café. Gardez ça le café parce que les policiers n'ont pas souffert encore. Parents policiers ont souffert dans tout sens. Petits policiers n'ont pas vivre sans eux. On suspend des gens dans la société. On nous suspend des gens. On regarde comment on a construit les gens qui ont fait erreur, les policiers qui ont fait erreur. On regarde comment on a ramené à l'autre. Comme ça, on va joindre ce qu'on a besoin. Merci en pile, merci la presse. Grégoire Ashley. Je dis à la Oula et dans le cadre de conférence là. Et vous avez petit toutou qui est policier qui est en prison. Est-ce que vous pouvez expliquer? Je suis petit qui est policier qui est en prison depuis 2013. Li en difficulté la prison, moi-même commence grand monde, papi a malade, donc nous pas qu'à étudier un côté li a la souffri, ça ben nous a pile problème, ça fait pas vivre la vie dit tout. Donc maintenant je demande des monde qui concerne des policiers, ouais ça le tape pour parler parce que jeune garçon a souffri longtemps depuis 2013 la prison, nos jours là nous pas qu'à une liberté li, nous demande tant prix pour taper ça pour nous. Depuis 2013, il est en prison et nous connaissons l'année à fait 10 ans. Oui. Donc,
qui ça alors petite ça te représenter pour vous, là qu'on est fait 10 ans ou passé ou pas jamais elle. Et bien petite là et petite garçon lié c'est lui qui supporter nous et les quatre petites lui-même côté lui a ti mon pas vivre papa yo pas jamais papa yo même visite te kon ba yo pas ba li encore donc ça vient ba pas de problème dans famille. Et même petit chèque yo te kon ba li même manger nous pas côté ba li nous pas gain problème nous yo couper chèque là nous pas connait qui j'ai ça fait arriver donc même là j'en bagué là même pour me faire manger pour te bali donc là mal vivre en prison mandé concerné autant pour yo ça yo t'a fait pour moi s'il vous plaît. Vous parlez de concerné yo alors qui démarche ou même on fait bon côté yo et qui cause qui t'est fait petit bon. Mais pas que démarche m'pas connait qui côté mal et m'rete là m'a gêné là que même pas. Pas prendre avocat. Bah là j'en prends avocat. Qui cause petit toi qui fait une prison. Salut madame, je dis à nous ensemble avec vous. Est-ce que vous pouvez expliquer nous comment vous vivez là où vous avez une famille ou petit tout qui n'a besoin? Frère, qui n'a besoin depuis 11 ans. Ça va être 11 ans dans le monde. Ok, comment vous même vivez si vous avez ça? Ben, ça fait que mon fils, parce que je suis amené, donc depuis qu'il est en prison, c'est moi qui ai cassé comme marché, parce que je suis là pour te manger. Je suis là pour un avocat. Et donc, mon commissaire, tout ça, il dit nous faire, nous faire. Donc, chaque fois, il m'a dit nous balil, mais il est dans un jugement, il s'en tenait, nous aller. Donc, avocat m'a dit nous cobre, mais ça va nous faire, nous faire. Et aujourd'hui, avec les femmes, le commissaire dit qu'il a fait une enquête pour nous, si c'est pas coupable de se mettre sur l'IA. Donc, il vient nous, elle n'est pas coupable pour nous aller dire qu'on s'accueille et la frange pour nous, pour la guenou. Bon, à chaque fois, nous prenons rendez-vous avec lui, il fait nous, tant de missions, tant de l'autre monde qui était dans la prison, avec le tunnel pénitentiaire. Vous parlez du dossier, vous mettez sous lit, mais c'est qui ça va rentrer même? C'est qui ça dossier ailleurs? Yeah. Bon, dossier mettez sous l'eau, là, je vais vous mettre des dossiers qui n'ont pas sous l'eau, qui ne sont pas arrêtés du tout. Vous menez une enquête, mais ce n'est pas coupable. Sans ça, vous n'avez même même, il y a pour dérouler, vous prenez l'argent, on ne va jamais marcher jusqu'à présent. Ça va être 11 ans là. Vous prenez un avocat malgré toutes les démarches, vous n'avez jamais abouti à rien? Non, rien. Pour un avocat, je ne peux pas dépenser sous dépenser. À ta terme, c'est bien, vous saisissez, vous prenez un marché. Les policiers, ça va être madame avec petit? Oui. Eh bien, comment vous avez fait reconnaître que vous alors il y a 11 l'année depuis la prison? Comment la situation est? Bon, si vous avez lagué, si vous avez lagué, bon, madame, vous avez tout le temps, vous avez dépensé tout ça, vous avez gagné tout. Nous n'avons pas l'avocat, vous avez sorti la boute, vous avez dit que vous avez un avocat encore, parce que vous avez encore. Si vous avez une demande vous avez avec l'autorité, c'est que ça vous a dit. Bon, je remarque que le pays d'Haïti n'a pas gagné justice, malgré l'argent, ou bien l'argent n'a pas gagné justice. Ça m'a dit, c'est pour vous dégager, s'il vous plaît, mettez frère dans le dehors pour moi. Parce que si vous venez, vous n'êtes pas coupable de un dossier, vous mettez sous le lieu, vous n'êtes pas coupable. Pas pour qu'il reste obligé de quitter la prison toujours. Je demande, s'il vous plaît, pour vous faire un jour pour vous laguer. Ok, merci. Les gens qui ont une famille pour moi. J'ai un grand frère moi, qui est en prison depuis septembre dernier. Bon, je suis accusé comme quoi il a tiré au monde. Et ça qui trouble dans le dossier, c'est-à-dire que mon âme est assassiné depuis en avril. Comme c'est policier, toujours au travail. Et pas de jamais de mon âme qui a estimé que frère ça était commettre un acte odieux comme ça. Mais dans la zone où on a évolué, il y a des nègres qui peuvent être de mauvais oeil, qui va arriver des nègres qui ont pété la paix dans la zone. Parce qu'il faut comprendre que le jeune garçon policier, il est là pour faire service dans la zone pour être en premier ressort et en second ressort, il y a toute la population de sécurité. Et dans le manque de compréhension qu'il y a entre monsieur avec les nègres dans la zone, il est estimé que monsieur sont éléments gênants pour lui monter l'océan. On a un petit en avril, et c'est un travail chaque jour. Monsieur Sot travaille dans vendredi, dans samedi pendant le repos. Et Bri débarque une arrêté, monsieur. Comme pour accuser monsieur, il a tiré au monde depuis en avril. Si vous avez tiré au monde, si vous avez une évidence, si vous avez monsieur flagrant délit, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un mandat qui est signé depuis en avril, avec le travail, vous avez le travail, donc si vous voulez arrêter, facile pour vous. Comment faire ce depuis en septembre? Après tout le mois, ça va arrêter. Il a arrêté, le pays était bloqué, il n'y a pas jamais entendu lui. Nous prenons un avocat. Henri Jean-Paul, qui est substitut commissaire, qui a arrêté monsieur, il n'y a pas jamais entendu lui. Léo aussi, il entendait monsieur dans le DCPJ. Monsieur dit que je ne peux pas parler toutefois avocat Mbal. Et sans aucune entente, il doit dire, vous attendez monsieur, il faut servir pour battre le président. Et dès lors,
pas de monde, pas de commissaire, pas de vieux juge, pas de rien que de monsieur. C'est-à-dire que monsieur, incarcéré côté de l'IA, m'a pesé samedi, innocemment, parce que ça a accusé là, il va faire le réel. Ça fait combien l'année? Monsieur, c'est en septembre dernier, là, il a arrêté monsieur en 2022. Là. Ça qui est inquiétant dans le bagage là, c'est-à-dire que si un policier qui a payé le service, si le policier lui-même qui a aidé nous pour nous gérer la sécurité du pays, si le policier lui-même, j'en paye ça et là, d'après l'homme, la police vient de nous, si lui-même qui a pris ce qui est vieux, il n'y a pas en sécurité, n'importe qui est, n'importe qui vagabond, n'importe monde qui peut être bon, possibilité aux amis qui jugent, qui commissent le gouvernement pour faire arrêter un policier, et bien nous même qui en bas là, ça nous a dit, ce n'est pas possible. Moi-même, ça, quoi, m'a demandé que vous traitez les policiers avec plus respect que ça implique, parce que les gars font un travail qui est extrêmement difficile, et je suppose que les gars méritent plus que ça. Monsieur est affecté dans le commissariat de Pétionville, il était dans l'opération. Il était dans la brigade, dans la sorte d'opération, c'est la propre opération de Pétionville. Si vous avez un message, vous avez un bon message. Le message est clair. Le message est les policiers qui ont traité, ils méritent plus que ça. Voilà. Moi-même, grand frère qui est en prison innocemment, pour que j'en passe une fois devant un monde qui est là pour ça, que ça fait rapide, même j'ai la compagnie de la police qui est en dehors pour ça. C'est simple. Vous avez déjà pris un avocat? Bien entendu, nous avons un avocat, nous avons un deuxième avocat, nous avons un troisième avocat, et ainsi de suite. Donc, c'est commissaire gouvernement, m'a demandé Jacques Lafontaine côté l'IA, s'il attend de nous là, bon, comme l'attend de nous tout, pour le faire en façon pour lui. Tant des dossiers policiers qui en dehors, parce qu'il a souffert, il y a besoin de policiers. C'est un grand frère policier, c'est petit frère. Alors, c'est petit frère, est-ce que lui-même était gay madame avec petit frère? Oui, monsieur gay madame, il quittait madame, il était enceinte. Madame, il a accouché dans des deux nègres là. Nègres là, souffrit. On va dire, il quittait maman derrière, maman était mégo, c'est mon petit. Donc, il n'est pas facile pour regarder maman quand il va finir comme ça. Donc, c'est pas facile du tout. Donc, il faut que les nègres n'ont plus au niveau de l'État, qu'ils soient à la fontaine, qu'ils soient à la guerre, qu'ils soient policiers dans le faut que la police reconnaisse tout. Demain, si Dieu veut, si on ne peut pas camper pour gérer les bagages, ça, il y a même tout dans la situation. Merci. Nous saluons et je dis à la Oula avec vous. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous qui est ce bien comme policier qui est victime? Bon, moi, j'ai un policier qui est en prison depuis 2011. Ça fait 11 ans. Lycée Tonton, nous avons pour l'État fait une intervention pour lui, pour lui laguer parce que lui est vraiment pas coupable de ça passé. Vous parlez de ça passé là, c'est que ça a été. Bon, il a été mis en fait sur lui qui s'est viol pendant ce temps que lui pas coupable. Est-ce qu'il a été déjà jugé quelque part? Oui, il a jugé 4 fois déjà. Et il a fait une intervention que il n'est pas capable de faire. Il a juste passé très sous ça et pas. Maintenant, depuis l'État, fait une intervention pour les policiers qui sont en prison et qui ne sont pas capable de faire ça. Il va demander une intervention. Oui, il y a. Il y a vivre ce moment ça. Bon, la famille est vraiment stressée, maman, surtout maman, il n'est vraiment pas haut parce que. C'est lui-même qui était bagaille famille. Donc nous-mêmes nous pas faire et alors il dit que il était qui t'a fait jugement, il joigne lui non coupable. Yeah. Donc malgré ça il toujours à continuer boire prison, mais nous-mêmes nous pas prendre avocat et non dans cette situation ça. Oui, nous prend avocat fait intervention que il pas coupable. Nous avons plusieurs avocats déjà. Okay. Donc, si vous-même vous avez un message par l'autorité, c'est que ça vous a appelé? Bon, un message nous avons appelé. Les policiers sont utiles à la société, ils sont utiles à la famille. Bon, message que nous avons appelé par l'État. Maintenant, depuis l'État, faire une intervention pour les policiers parce que les policiers sont vraiment utiles à la société pour les policiers capables de blaguer dans la prison. Vous avez un jour? Je vais profiter de dénoncer le dernier massacre qui fait sur les policiers. Côté que vous prenez un pile policier, vous mettez en prison dans la question de la mort juvénile. Ce sont des choses qui
dérangé en pile. Yo arrêté en pile de police, ça gagne plus que 2 ans. Yo accusé de assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est dommage, mais je pense que les policiers n'ont pas mérité traitement ça. La justice t'a supposé qu'il y a assez de capacité pour mener une bonne enquête avant même qu'il prenne un policier pour le mettre là en coin, comme quoi que lui accusé de la mort ancien président, qui a gagné tout service d'intelligence pays à Namel, qui a raconté tout ça qui a fini contre lui, parce que c'est l'État quand même. Moi, vraiment, ça a vraiment crasé en pile famille. Il y a des gens que je connais qui. Alors, il y a madame policier dans l'époque ça, qui était enceinte, qui fait Simon jusqu'à présent, Simon a 2 ans, qui pas contre papa. Pareil, ça n'est pas bon du tout. Maintenant, de la justice, tant pis. Font façon, libérer les policiers qui sont estimés, qui pas coupable dans le dossier ça, et mener enquête la plus rapide. Bah, les policiers ont plus bon traitement. Parce que il n'est vraiment pas bon, il n'est vraiment pas possible. Les policiers qui ont servi tout ton pays. Les policiers peut-être pas même avant ça, avant la mort Jovenel, qui pas jamais bien rien pour ébaucher eux. Ils vous seulement prendre eux, vous eux dans des pauvres, vous eux pénitencier, il y a souffri. Moi même vraiment dénoncer ça parce que situation moi même personnellement m'a affecté de ça. M'a demandé la justice pour les lever mail, libérer policiers ça pour nous parce que en pile là innocent de ça ébaucher. Ok, donc est-ce que nous-mêmes au niveau des structures, ça, nous-mêmes nous regrouper, on dit, est-ce qu'il y a un policier qui fait partie de lui-même? Bon, il y a un policier qui fait partie parce que il y a un policier qui a des amis qui sont en prison. Il y a un policier qui fait partie de ce structure-là, mais nous n'avons pas vraiment arrêté là, nous plus arrêté en termes de famille. Même si le policier est là, il n'est pas là tant que policier, mais là tant que famille, tant que amis. Parce que nous plus arrêté comme famille, amis policiers, parents policiers qui sont en prison, qui ont souffert, que nous-mêmes nous connaissons qu'ils ont souffert. Et ça fait nous mal tant que famille, tant que parents. Nous connaissons que la police est une institution étatique. Donc nous pensons que si toutefois nous avons défendu les policiers, parce que nous-mêmes, étant que défendeurs, nous avons supposé faire partie, alors nous sommes dans le Seigneur. Comment vous comprenez ça? Bon, oui, nous sommes dans le Seigneur. C'est là pour mon tour. Si nous-mêmes qui ne sommes pas policiers, qui seulement sommes dans le Seigneur, policiers, nous avons plein de policiers qui sont dans la prison. Et nous-mêmes qui avons marché dans la rue, ça veut dire tout le bagage. Les policiers sont supposés dans la rue actuellement. Ils ont boumé pour stabiliser le pays, alors pour mettre la sécurité dans le pays. Malheureusement, c'est notre coin, c'est ça qui fait nous-mêmes nous prendre courage à deux bras. Pour nous venir là, pour nous venir dire non, bagaille ça, faut le suspendre, faut que les policiers suspendent. Coupine en prison, il y a souffert, il y a même côté avec bandits qui ont été traqués. Bagaille ça, il est vraiment pas bon, il est vraiment pas bon. Je pense que l'État doit garder ça. Quelle est l'étape que nous prenons pour nous dénoncer ce genre de situation? Est-ce que seulement via avec conférence, seulement au Dieu, nous sommes habitués à faire l'autre mouvement pour nous demander libération aux policiers qui sont en prison, selon nous-mêmes, injustement? Alors, c'est la première fois que nous prenons la presse, parce que nous ne pouvons pas faire ça. C'est la première fois que nous prenons la presse pour nous dénoncer cette situation. Hein? Et nous espérons que nous avons un résultat parce que nous sommes vraiment pas capables encore. C'est le dernier qui doit. La situation du pays est difficile. Nous-mêmes qui avons un petit comité, nous prenons soin policiers, alors famille nous dans la prison. Nous ne sommes pas capables encore. La situation est trop difficile. C'est ça qui fait nous prendre chemin ça pour nous garder est-ce que l'État attend de nous. On espère autant de nous quand même. Structure ça déjà légal, il y a un avocat, machin. Nous avons pensé sur ça, parce que nous avons à peine pris l'initiative, nous avons pensé sur ça, mais. C'est pour que nous vraiment franchir tout comme ça. Ok, merci. D'accord, merci. Je salue la presse avant tout. Je salue chaque famille, chaque ami, chaque proche policier yo, qui ont même souffert à cause de maltraitance. Policiers ont joint dans diverses prisons sur le territoire public d'Haïti. Ça nous demande nous-mêmes, aux policiers, parce que vraiment, il y a un état qui est déplorable. Parce que moi-même, j'ai des propres tontons qui sont en prison. Et sans vous cacher, je crois que je suis en train de pénitencier. Ok? Je crois que je suis comme si je n'avais pas ni soins de santé, ni justice. Pour manger à bas, même, c'est pas la tête fait mal. Ok? C'est pas ici, on comme si t'as well. Je suis obligé de manger parce que, bon, j'ai déjà mis un côté. Déjà, c'est pas où mettre tête. Donc, so, nous-mêmes, ça nous a demandé. C'est que l'État pays a nous supposé policiers parce que même là en prison mais pas oublié que te connait un pays à service tout et service te connait un pays c'est pas n'importe qui service c'est vieux que te connait brisqué vie madame vie petite
les proches. Imaginez même les policiers qui font ZAC, par exemple, nous pouvons nous mettre de nos côtés, nous ne pouvons pas vous regarder. Nous ne pouvons pas vous regarder la famille, nous ne pouvons pas vous regarder les proches. Les policiers, tout, bon, nous sommes censés près de 100 à 150 policiers, et qui dit nous que depuis ce premier mois, on a coupé chèque. Depuis ce premier mois, on a mis en prison sans juger. Et depuis le final, on a un côté, on a besoin qu'on ait deux encore sans juger. Ok? Elle dit famille policier, ça, madame, yo petit, yo, l'école, yo pas qu'à payer, yo pas qu'à manger parce que ces policiers étaient tout pour eux. Ça n'a pas de l'État, c'est pour vous, je regarde les policiers. Yo. Parce que les policiers, yo pas, yo pas civil. L'homme dit civil, yo ont un rôle, yo ont un dans la société. Ya. Ça veut dire que nous supposons que vous regardez les policiers parce que c'est payé, vous avez pris un service, c'est vieux, vous avez risqué. Vous avez regardé les gens de prison parce que santé, yo, justice pour eux, okay, c'est ça nous demande. Ok? Nous-mêmes, c'est famille avec parents policiers, proches, yo, qui prend l'initiative ça. Bon, si vous avez l'autre bagarre qui a fait, toujours n'appelez pas la presse. Mais ça nous demande, mais ça nous demande. Pour l'essentiel, c'est que vous voulez regarder les policiers. Yo. Nous demandons justice pour eux, ça qui n'est pas coupable. Manger à bas, soin à bas en prison parce que vous n'êtes pas bête. Ok, c'est ça nous demande pour la justice pays. Ya. Pour le ministre de la justice, là, droit de l'homme, toute instance qui concerne yo, pour nous voir regarder les policiers yo, qui sont en prison, tout partout sur le territoire de la République d'Haïti. Ya. Merci. Merci.